parti, messieurs, dames. La game est lancée. Installez-vous. Prenez des parts protéinées. Prenez un peu d'eau. Installez-vous. Dites, enfermez-vous pour pas que votre copine vous casse la tête. Parce que là, ça va être une grande finale. Digne des plus grands duellistes. Just do it. Et on est en prise de masse, Kerai. Là, on va t'attraper. Je connais ton adresse, Kerai. Hein. Comme ça, Chips. Il dit c'est viande rouge ou produit laitier. Ok. Oh, concre la marque directement sur le castor agile. Là, je vais mettre Heywa. Un petit. Ah, le concre la marque qui passe. Aïe 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 aïe. Ça va devoir de. Pouah, pouah, pouah. Ah, on est obligé de jouer. On est obligé de jouer. Hein, du coup, ah, je vais mettre ça. On a une ressource. Donc, Sprite, hein. Attends, il s'est pris maxé, c'est ça? Ouais. Okay. Oui, monsieur. Aïe aïe aïe, le poison. Le saint poison. Oh, ah, c'était. Ouais, Dani, ouais, du coup, c'est pareil. Bah, ouais, GG, hein. GG, hein. Oh, Punk. Oh, ah, mais Punko. C'est le Punk Virtual World, lui, c'est le même deck, ouais. Ouais, 60 cartes, exactamente. Du coup, on fait l'effet d'un tramé no punk, on paye 600 pour pouvoir ajouter une carte punk non exclue de la carte qu'on a directement invoquée et on va la ajouter directement à la mano. Messieurs dames, ok. Ça a, ah, ça trigger en fait, c'est une hache. C'est un maxé. Ça laisse passer. Ça doit être une hache, je suppose. Qu'on va chercher, du coup, Mélodie. Mélodie Renard, on va aller la défausser pour un Vox P. Du coup, un monstre punk. Et en plus, on défausse une pièce, ça c'est vrai. Ça j'avais oublié. Bah, c'est lancé, hein. C'est lancé. Hein. Est-ce que ça peut OTK le deck? Ouais, peut-être, ouais, je pense. L'effet de notre ami UQE passe, on va pouvoir invoquer un monstre fusion qui est du nom de normalement Ukoye, dis pas de bêtises. Ukiyoe, ouais, mais c'est les peintures japonaises de l'époque Edo, notamment. Avec l'effet de Ukiyoe, on va pouvoir directement activer son effet, on va pouvoir invoquer spécialement deux monstres punk de noms différents avec au maximum deux niveaux 8. Du coup, on invoque directement notre tisser et notre ami Wagon. Avec l'effet de Wagon, on peut chercher le terrain, ouais, je pense, avec Gagaku. Ouais. Le Gagaku. On va pouvoir du coup ajouter Punk Jams Session directement à la mano. Oh my god! Ooh, Jesus Christ! Fresh Evil! Look the goblins! My friend! Oh damn bro. Ok. Et voilà. On va aller regarder la mano. Ah c'est broken putain. Une des rares cartes encore qui traîne, qui est bannie en TCG depuis 5000 ans, qui est chez nous à x3 normal, je crois. On a vraiment un plus draconique. On fait l'effet de draconique et en plus on va pouvoir faire l'effet du gobelin. Ah ouais, il a tout hein, il a tout. De nous Nino. Je pense que ça va aller révéler sa main, ça va lui. Je suis à la fusion démarquée ou à l'Uber, je pense. Ah non, je suis en ouf, moi. C'était la game d'avant, ça. Ouais, c'était. C'est un sprite. Oh, puis on va chercher Lulu. Cherche bon un snow. Et. Ah, il y a une petite. Ouh, oh, Ghostog, ok. Ok, let's go. Mais l'effet de la fumigène n'est pas passé?
Non, je sais pas, il y a un truc que j'ai raté. Ouais. Ouais, ça. Attends. Ah non, mais elle a pas été détruite par un effet de carte, elle a été détruite juste parce que. Elle a été sacrifiée. Ouais, en fait, ouais. Ah. Ok. Bon, en face, on a mis le crapaud samouraï au cimetière quand même. Mais ça veut dire qu'il va partir sur le pattern avec les Virtual World pour réinvoquer depuis le cimetière sa magie piège. Maintenant qu'il a joué Punk, il va jouer Virtual World. Du coup, il va la setup à partir des Witcher World. Ok. Bon, on va partir sur petit guerrier chargeur pouvoir d'étoile, ok. On va pouvoir aller. Piocher une carte. Draw, ouais. Ah, si c'est petit, on va voir ça tout de suite, hein. Moi, je sais pas. On va bannir, invoquer spécialement un monstre virtuel, ok. Depuis le cimetière. Ok. Ok, on va aller. Setup Lulu. Lulu. Directement posé, on peut pas activer son effet du coup. Ouh, on a renvoyé Gamma. Ok. Dans le cimetière. Ok, on va activer l'effet de monde virtuel qui nous permet de cibler. X6, il va faire qu'est-ce qu'il y a en X6. Et en X6, y a... on va faire. Béatrice. On va faire Fanfan. Fanfan. Oh. No way. Ouh, c'est qui lui? Ouais, c'est une vieille carte. Cette carte invoquée par l'effet suivant ne peut être activée. Cette façon, l'effet suivant ne peut être activé une fois partout. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler. Merde, pas vu. Puis cibler. Puis cibler un monstre sur le terrain là où le renvoyer les cimetières, renvoyer là la main, ok. D'accord. Ah, il avait pas encore fait. Ah, il connaît son deck très bien. Kyo, c'est un client, de toute façon, on le connaît bien. Oh la 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 la. Ok. On va faire l'effet, on va pouvoir ajouter une carte depuis votre main au cimetière. Attends, what? On va pouvoir ajouter une carte depuis notre main au cimetière. Ok, on va défausser du coup. Ok. Non, depuis votre deck à votre main, excusez-moi, pardon. Fatigué. Puis on va une carte de votre main au cimetière, ok. On défausse, on tuto pour défausser. Ok. Soit. Just do it. C'est fou quand même son deck. Hein. Il commence avec. Putain, il avait deux fois Gamma. What the fuck? Tu commences avec Punk, tu fais tout ton bordel et après tu joues Virtual World normal et c'est reparti. T'as un double tour. T'as un double tour quoi. C'est abusé. Ah non, mais là on est sur une instru là. Ah ouais, non mais c'est les piles à 60, c'est dangereux hein. Les mecs ils savent ce qu'ils font hein. Il va trouver l'OTK hein, je pense hein. S'il y va pour hein. On a 3 Saintos sur le terrain. Oh là là. Mais ouais, il part sur quoi là? Il part pas sur le Phoenix non, Crocro Draco, ok. On va les piocher un derrière. Putain, il a pioché sérieusement. Il est pas. Non, mais faut arrêter, monsieur Kyo là. Oh. Calm down, please. Flash Evil, calm down, please. Oh là 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 là, c'est trop. Ah, putain. Voilà. J'y joue. Ouais, il va l'état là. Il va l'état. Oh la démonstration. C'est un gros joueur, Kyo, on le connaît. Hein. C'est un gros joueur. Oh my god.
Well played, my friend Kyo. Let's go, just do it. Ok, ok, ah, alors ça, ouais, non, c'est... Ouais. Pour notre ami Kyo. Impressionnant. J'avoue. Solide et efficace. On a le match. On a le match. Bon, du coup, Albion, révèle Albion. On va aller chercher du coup Alibert. Alibert il a pas fait Gamma là-dessus. Ouais, il attend de Gamma le, la fusion. Ouais. Ouais. Il va aller Gamma la fusion. Ça, c'est clair et net. Lubélion, du coup, posé. On fait les trucs de sort. De Brunette d'Espa, comme d'habitude. Lubélion, tac. Non, mais attends, il y a pas. Non, il y a Chain Block, il peut pas. Mhm. Du coup, on va ok directement Mirror Shot, si j'ai pas de bêtises. Ouais, non, Mascarade, excusez-moi, veuillez m'excuser pour le dérangement occasionné. Mascarade, on va chercher des coups Dramaturge, Lubélion. Et ensuite, au faisant Mirror Shot. Putain, déjà, le board il est assez solide du côté de Nonino là. Ouais, y'a tout, hein. Une petite ouais, gouttelette, t'as, t'as le reset en main, t'as Dramaturge aussi. Ah, et là, Gamma, what the fuck. Oh, du coup, on invoque directement Amin. On fait payer 600, Rona. Ouais, mais Mascarade, il va faire tellement le taf en fait. Kyo, en fait, il... ses routes sont tellement longues. Bah, je sais pas ça. Ah là 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 là. Non, le gamin en vrai, il est ok. Hein. Tu peux pas laisser ça, y'a pas de soucis, mais ouais. En plus, il se burn lui-même, tu vois, 600, 600, 600, 600, tu vois, c'est double burn. End Punisher, il se dit, hein, ouais, ouais. Ouais, mais après, ils sont en défense, tu veux tuer qui? Ah, merde, c'est vrai. Ah oui, du coup, ils sont, hein, ils ont été inversés. C'est vrai. Bah, attends, je change si c'est... Mais attends, Punisher, mais du... ouais. Punisher, ouais. Après, il va garder l'attaque, hein. 10500 dégâts au bordel. Mais après, le Punisher, il se fait détruire par Mirror Jade, du coup... Oui, parce que c'est pas un effet activé. Et c'est la fin du game. Un partout, bon, moi je le savais du coup. Oh là là. On peut regarder la dernière, c'est bon, nous sommes sauvés. On aura la DR game de ce putain de tournoi. La DR de la DR, allez. Ouh, en tout cas, notre Kyo qui est parti sortir effet fractal, il fait into Kito. Il fait into Kito, on en va nerveux. Changement de deck, ouais. Changement de deck. Et on va aller chercher un deuxième fractal. On va aller, du coup, invoquer directement Keras en norme normale. On va pouvoir invoquer Spinnaker Sprite. Oh, le Sprite Tribigat pour finir, what the fuck. Ça, c'est mon deck, ça, les gars, là. Let's go, just do it. Ok, Sprite Giant, démarrage. On l'a commencé à 2h, à 14h. On est bien, on est bien. Jet, on va l'évoquer. Du coup, Sprite, si jamais il y a une petite négate en face là. Du coup, c'est prenable. On va aller chercher du coup Fracas. Non, attends, il fallait chercher quoi? Orange du coup. Vu qu'il a déjà fait effet de Jet, on va aller chercher Orange. Ok, Orange Effecto. On va l'invoquer directement depuis la mano sur le terrain. Ah, on arrive en live, ok. Ouais. Du coup, ça va pêcher. On va invoquer Sprite de l'Elf. Du coup, de notre ami, du côté de notre ami Kyo, on va faire effet de Sprite de Life. On va aller reborn, du coup, notre demoiselle carotte Sprite. Ah non, Kit. Ok. Kit 1, 2, 3. Il y a 3 monstres au cimetière. On va les faire, du coup. On va les faire, du coup, comment ça s'appelle? On va les ban 2. Pour ouais. Invoquer, du coup, Ferrigit. Ban 2 ou ban 3? Ban 2. Ban 2 Ferrigit ou Birbrome?
Tu penses à partir sur Firigit pour faire Birbroom carrément. Ok, let's go, just do it. On y va, Birbroom. On va passer par dessus pour faire une autre link pour pouvoir aller chercher directement après la Rebel Brigade. Bon, on pose orange, ok. On a Vox P, on a ok. Ok, ça part une petite sur une petite X Shoka numéro chat mannequin. Ok. Et après Firigit. Firigit. On va activer l'effet de Birbon qui va nous placer directement la Rebel Brigade et défausser une carte dans la mano. On va aller renvoyer du coup, on ne sait pas, mais au-dessus du deck, mais on ne sait pas ce que c'est, mais let's go. Et on va 7-1. Ok. Donc Nonio joue Despia, il a pas le choix. Cool, on va passer en main phase 1, on va pouvoir invoquer Carotte du coup. Non, invoquer ouais, Carotte parce que Orange est dans le. Est dans le matériel de chat numéro 29. Le call était juste, ok. Bon, après la fusion. Pardon, le patchwork Frouer. Après ça, on va pouvoir ajouter un lutin tranchant et une polarisation directement à la mano. Mon ami Matteo, regarde-moi ça. On pioche des cartes comme si on piochait dans un paquet de chocobons. Ensuite, quel va être le pattern, mon ami Nonino? Pioche des ténèbres, ok. Ça va se passer, hein, mais. Ah non, on sait pas qui gagne là avec la situation. Franchement, y a pas IP, c'est pas un bord de spread si. Hein. En plus, la tragédie qui est bon là. Effet. On va pouvoir ajouter un monde d'Espia depuis la mano. Comment ça s'appelle Là, c'est pour les magies pièges. Les magies pièges, pardon. Bah oui, c'est toujours pareil avec Révolte. Moi, je suis pas convaincu de cette version du deck parce que là, t'invoques. Tu peux pas faire. Shoreg là. Nope. Bah, attends, juste voir un truc sur ce qu'il a fait là. Ouais, parce qu'en fait, je crois qu'il s'est lock au moment où il a fait l'effet de Birbroom. En fait, tu peux invoquer que des Trébégard. Ouais, ouais, il y a une lock. Il a invoqué, et après il a invoqué sa 29. Oh, le Ghost Orb. Que... Ah, c'est pas mal ça. Oh oui! Petit Ghost Orb là, mais il y a un petit Callby peut-être en face. Un petit Callby. Bon, le Callby se fait negate au pire. Hein. Aussi. Mais s'il y a un double Callby. Ah là c'est la fin. Ok, on laisse passer. Donc, tac, Alba déchu directement au cimetière, en plus c'était la norme. La polymerization du côté de notre ami Nonino. Oh le maxé, évidemment. Oh là 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 là. Les effets, pas les activations. Pour Negate, il faut que tu sacrifies un monstre hein, de rang, niveau, Link ou 2, et t'annules, Mon ami. Mon ami de Raiden. Ah, que ça fait plaisir de t'apprendre un truc pour une fois. Boys. Ah. Bon, du coup, la poulie elle passe. Soit. Mascarade. Ok. Du coup, derrière, il y a l'effet de notre ami Chaîne Lutin Tranchant qui a été activé. Ok. Et on va pouvoir acheter une carte foire depuis le deck à la mano, vu qu'elle a été utilisée en tant que. Ouais, en tant que sacrifice pour l'envoyer au cimetière.
Ok. Ouais, mais comme tu es dans une bonne position en vrai. Ouais, d'ouf, d'ouf. Il y a un accès aussi. Donc, ouais, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Battle. Bon, battle l'elfe, hein, je pense. Hein. Carotte. Ah. Marqué en fusion du marqué en main, peut-être pour la main phase 2. Yes. Fort possible. Je pense que vous avez bien joué. Mais derrière, après, ouais, mais... C'est qui aura... Attends. C'est qui aura la... Le first, là, ça sera le sprite de life ou la fusion du marqué, là, du coup, là, sur le tour prochain? Ah là, évidemment, ça peut être que ça. Par contre, putain, okay. Ça se prend H. Oh, ça se prend H Blossom. Non. Ah là. Non. Call bye. Pas call bye. Ah. Non. Le H draw sur maxé. C'est la combo garantie, ça. C'est la combo garantie. Voilà. Maxé, ouais. Et ça va, end phase. Ça pose peut-être même pas un ou deux. Ça va end phase direct. Ok, nous prenons. Et là, ça va être compliqué. Hein. Il y a quoi dans le cimetière de notre ami? On va pouvoir avoir rebound card directement sur la main phase 1 de notre ami Kyo avec l'elfe. On peut rebound aussi cute. On peut rebound tellement de. Oh là là. Putain, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3. Ouais, y'a moyen de faire un shoureg et de finir, hein. Ouais, y'a moyen de faire un shoureg et de finir, tu... Attends. Ouais, normalement c'est fini, ouais. Tu fais shoureg, ouais, c'est l'état, non? Ça fait 8000 tout pile. Ouais, il va sécuriser peut-être un peu. Ouais. Ouais, à mon avis, là, il a même pas besoin de faire ça, il peut éventuellement juste faire, voilà, activer révolte. S'il a quoi, il a... Ah ouais, c'est bon, il aurait fait shoureg, c'était fini. Ah, c'est vrai que j'avais ça, my god. Ah, ouais, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde au cimetière, va falloir un petit peu... Pas beaucoup de monde, en plus on peut pas retourner les links. Très vite, c'est pas être trop fort. Ah bah t'es où, je t'ai dit frérot. Tu m'as dit non, Shinevo c'est zéro. Voilà, maintenant tu connais hein. Ça fait du monde à la poubelle ça. Tragédie aura pas d'effet hein. Max et... Attends mais il avait combien? Attends, y'a combien de Max? Une, deux... Une, deux... Bon, le signe d'agri. Attends, mais on a fait le record tout à l'heure, y'avait un mec qui avait 3 maxés, non? Sur un match? Au moment de départ? Il a lâché les 3 maxés? Maxé, H, maxé, hein. Les... Enfin bref. Tribri, c'est 0. Fréchéville, t'inquiète, on va l'attraper dans un Discord tout à l'heure. T'inquiète duel pas, on va des parler ombres, en français. FT10 là. Oh là là. Fréchéville, je suis comme toi. On va l'attraper là. Oh, access code. Il y a combien d'écoutilles? Il y en a une, deux, ok, on détruit, on détruit un. Mais il y avait pas mon... Mais elle est passée où, Birbroom? Attends, what the f... Attends, what? Mais... Gaëtan, il veut aller au royaume des ombres, là, super. Je suis dubitatif de ce coup.
Attends. Ah, pour révolte derrière. Ok, il a libéré une. Ok. Oui, non, c'est bon. Ah, okay, pour libérer une passe vers Shurek. Mais quel homme incroyable, ce jeune homme portugais. Du haut, de ses hauts de 25 ans, je sais pas. Ah, il a de toute façon, c'est le Portugal qui a gagné depuis avant. Hein. Ah là 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 là. C'est beau, Portos. Let's go. Bam bam bam. Ah, c'est en plus. Attends. Putain, j'ai même pas fait gaffe, ouais, c'est une bête. Une bête. Oh là là, c'est une bête en plus. Oh, bo. Ah, le 5 caillou, c'est maintenant, mais bon. Et en plus, on a kit pour redétruire derrière avec access code. Oh là 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 là. Putain, il se fait bien peur. Attends, mais doucement, parce que access code, si tu veux détruire encore un avec. Oula, doucement. Non, mais ça passe. Peur là. Ça passe. Y'a pas d'ouverture du marqué au cimetière pour protéger. Ça, okay. De toute façon, il est banni donc il peut pas revenir, tu vois. Là, c'est bon. Destructions. C'est bon. Birbroom. Banni. On détruit Snow. Il n'y a plus rien au cimetière. Et c'est la game pour notre ami. Et c'est le GG Pio. Brando! Well played, bro! Incroyable. Et voilà. Et donc, c'est un joueur inter qui a gagné. Où est la France, messieurs, dames? Bon, Slezane, je sais qu'il n'était pas là déjà. Il aurait peut-être. Ouais, Wolfagri, mais il avait peur, lui, du coup, on va pas parler avec lui. Aïe. Ah, ça fuit, hein. Oh là là. Ouais, Blake, yo, Brando. Et je vais mettre, voilà, bam. Bon, bah voilà. Comme. GG ouais. Kyo, tu auras un titre sur le Discord notamment. On a un rôle spécial pour ça et évidemment un peu de cash prize.